L'austérité tue. Elle tue des êtres humains. Elle tue la société. Elle tue aussi la démocratie. Elle tue l'Europe des peuples. Et c'est notre responsabilité de mettre fin aux politiques mortelles avant qu'elles tuent l'espoir et les générations futures. Je vais vous parler de mon pays. La Grèce, qui a été soumise à des programmes d'austérité féroces pendant 5 ans, des programmes dits mémoranda, destinés à sauver l'économie, qui ont provoqué la misère humaine, la rupture du tissu social, la récession sans précédent, la plus longue en Europe en période de paix et finalement une crise humanitaire profonde. Le peuple grec qui a décidé de prendre son destin à ses mains, qui a rejeté les politiques d'austérité, qui a mis fin à plus de 40 années de gouvernement par les deux partis qui se sont alternés puis alliés au pouvoir pour 4 décennies, le parti de droite, la Nouvelle Démocratie, et le parti dit socialiste, PASOK, deux partis qui se sont alliés pour implémenter des politiques ultra-néolibérales et qui ont causé le désastre économique. Le peuple grec, le 25 janvier, a donné le pouvoir à Syriza, à la coalition de la gauche radicale. Depuis, une vraie lutte se déroule au sein de l'Europe, une lutte entre ceux qui veulent honorer le mandat démocratique du peuple grec, ceux qui veulent mettre un fin à cette austérité, ceux qui veulent défendre la société, les droits de l'homme, l'état social, la démocratie, et ceux qui veulent perpétuer cette austérité atroce et établir un régime antidémocratique de subordination des peuples sous prétexte de rembourser une dette dans sa plus grande partie illégitime, illégale et odieuse. Et on va avoir l'occasion demain de parler d'une initiative du Parlement hellénique, parce que nous avons établi au Parlement hellénique un comité d'audit de la dette publique, le premier comité d'audit de dette établi en Europe pour servir le droit fondamental des peuples de savoir en quoi consiste la dette utilisée contre elle. Et je dirais que de donner à la Grèce un moratorium de remboursement durant cet audit serait la solution logique, la solution rationnelle. Nous faisons appel de la part du Parlement grec, du peuple grec, du gouvernement grec, mais aussi au nom des peuples d'Europe, des peuples du monde et des générations futures. Je suis très très confidente qu'on va vaincre. Thank you.